Et c'est sur une croisette battue par des bourrasques de vent et de pluie que courageusement, les deux comédiens sont venus nous parler d'amour. L'amour par-delà la mort pour Pierre Arditi, qui est à l'affiche du film d'Alain René, Vous n'avez encore rien vu. L'amour jusqu'à la mort pour Jean-Louis Trintignant, qui lui a monté les marches hier soir aux côtés d'Emmanuel Riva, avec qui il partage l'affiche du film de Michael Haneke, sobrement intitulé Amour. Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours? Mais c'est quoi mon image ? Tu es un monstre parfois. Amour de Michael Haneke, l'amour qui unit un vieux couple, mis à l'épreuve quand elle tombe malade, le corps et la mémoire qui se paralysent et qui lâchent, elle qui a juste le temps de lui faire promettre à lui de ne pas l'abandonner dans un hôpital et de ne pas la maintenir en vie coûte que coûte. Avec beaucoup de distance et sans aucune sensiblerie, le cinéaste suit ainsi les derniers éclats de rire, les gestes pour soulager, l'ultime décision à prendre, un acte d'amour et un rôle magnifique pour Jean-Louis Trintignant qui a 82 ans revient devant les caméras après 15 ans d'absence. C'est une grande preuve d'amour que de la soulager de la vie. Ça me touche énormément parce que j'ai l'âge du rôle et puis parce qu'il parle d'euthanasie et c'est un sujet un peu tabou dont on ne veut pas parler et je trouve qu'il en parle très bien. Mais il n'aime pas qu'on dise qu'il a fait ce film sur l'euthanasie. Il dit non, je raconte l'histoire d'un vieux couple, de la fin de leur vie. C'est une histoire qui nous concerne tous, c'est une histoire qu'on va vivre. Moi, j'ai commencé à la vivre, la vieillesse. J'imaginais pas que c'était si quand même si pénible. D'un point de vue santé, j'ai un ami qui dit, quand tu te réveilles le matin, si tu as mal nulle part, quand tu es vieux, hein, à 70 ans, quand tu te réveilles le matin, si tu as mal nulle part, c'est que tu es mort. C'est bien, non ? Le temps qui file, la mort qui rôde, mais l'amour plus fort que tout, et l'art aussi. Qui de mieux pour nous y faire croire qu'Alain René, bientôt 90 ans, lui, et qui entre aujourd'hui en compétition avec Vous n'avez encore rien vu, film librement adapté de la pièce de Jean Anouilh, Eurydice. Eurydice, jeune, Eurydice légère. Et pour redonner des couleurs et de la vigueur à l'amour éternel d'Orphée et Eurydice, Alain René a convoqué toute une troupe de comédiens, de Pierre Arditi à Lambert Wilson, en passant par Sabine Azéma, Michel Piccoli ou Mathieu Amalric. Dans le film, tous sont censés avoir, plus jeunes, joué la pièce sur scène. Et sous la houlette d'un auteur un peu manipulateur, eh bien tous, quel que soit leur âge, vont être de nouveau Orphée ou Eurydice, vont être de nouveau fous d'amour. Et l'on sourit, et l'on s'émeut de voir ainsi ces comédiens comme Pierre Arditi, trouvé dans le jeu comme un gage d'éternité grâce à un magicien nommé René. Il m'offre de faire un pied de nez formidable au temps qui passe et qui me voudrait du mal. C'est-à-dire que j'ai le droit, encore, d'être Orphée. Alors c'est un Orphée qui n'est plus à perdre de l'année, mais peu importe. À l'intérieur, dans l'interne, il y a tout ce qu'Orphée peut contenir, à la fois de romantisme échevelé, et de douleur générique et initiale, qui est celle de tout être humain, qui à un moment donné sent que ce qu'il aime va disparaître ou que la vie s'en va. Et voilà. Alors bon, moi ça commence à me concerner beaucoup, parce que je commence à être d'une génération qui se rapproche du terme. Moi je suis fasciné par cette capacité qu'il a à faire traverser le temps aux autres. C'est peut-être la seule personne dans mon entourage qui ait cette faculté de me faire traverser le temps en me prenant par la main et en me montrant qu'après tout, il n'est pas utile d'avoir peur. Et pour lui traverser le temps, Alain René a convoqué Sinatra dans son film. C'est la chanson du jour sur la croisette. It was a very good year. Cannes, Florence Leroy, France Info. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17,